Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Fanzinc. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'On en parle, et aujourd'hui nous allons parler bien du court-métrage qui est sorti il y a environ 2 ou 3 semaines, ça dépend quand est-ce que cette vidéo sortira. Détective Pikachu et le mystère du flan disparu. Oui, c'est ça le nom. Et donc en résumé, c'est du coup on va suivre la petite aventure de Détective Pikachu qui va filmer sa morning routine. Voilà, tout simplement. Et il y a le flan de Tim Goodman, du coup son ami et camarade, qui a disparu. Donc pendant ce court-métrage, ils vont tenter de résoudre cette petite énigme pour savoir où est passé le flan. Simplement, c'est sorti il y a du coup, comme dit, il y a 2 ou 3 semaines environ, dépendamment de quand est-ce que sortira la vidéo, sur la chaîne YouTube du coup de Pokémon France, Pokémon FR, la chaîne YouTube Pokémon en français. Et voilà, tout simplement, c'est assez court comme résumé. Point positif et négatif, bah en soi j'ai pas grand chose à dire. L'animation est assez jolie, le court métrage en lui-même est sympa, voilà. Que alors, en termes de d'énigme en elle-même, voilà, hein, c'est Detective Pikachu quoi, c'est pas Professeur Layton ou Death Note, mais voilà, ça reste sympa. Jusqu'à ce que j'avoue que personnellement j'ai pas fait gaffe au début sur qui aurait pu voler ce fameux flan, jusqu'à ce que il y a une action qui a été faite, et à ce moment-là j'ai tilté quelque chose, mais je vous avoue que j'ai vraiment pas fait attention aux détails, et j'ai vraiment pas vu que il y avait sans spoiler, il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'on pouvait plus ou moins facilement deviner qui avait pris un flan. Mais donc bref, vous voilà pour la note sur 10. Alors j'avoue que j'ai pas noté encore sur mon doc que j'utilise pour les notes de On en parle, etc. J'ai pas encore mis de notes, donc je vais y réfléchir et je vais vous reprendre juste après. Du coup ouais, la note, je viens de vous reprendre. Pour la note, j'ai décidé de mettre 9,5 sur 10. Ça reste malgré tout un petit court-métrage sympathique. Les seuls petits points qui auraient pu être mieux faits, je pense, c'est peut-être la durée. Après bon, c'est un court-métrage et pas un épisode d'animé classique, j'ai envie de dire. Et peut-être, ça aurait été peut-être mieux de sortir également le court-métrage le jour de sortie, ou peut-être un peu avant la sortie du jeu le retour de Detective Pikachu, et qui est Detective Pikachu 2 pour les intimes. Mais sinon ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus, ça reste un petit court métrage sympathique. Si j'y pense, je mettrai le lien en description également, soit du court métrage, soit de la chaîne YouTube de Pokémon. Et j'espère que cette petite épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire votre avis sur le court métrage si vous l'avez vu. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, à la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan Zinc et je vous dire enjoy.